Alors, les fameuses Tesla abandonnées, elles sont en train de monter en puissance niveau tarif là. Au lendemain de l'annonce, donc, plusieurs offres ont été posées sur la table avec un maximum de 150 000 dollars pour les trois, mais les enchères pourraient atteindre des records les jours suivants. Global Motors Company a ainsi reçu de nouvelles propositions. Certains ont proposé jusqu'à 76 000 dollars pour un exemplaire, mais un acheteur visiblement passionné et ou fortement fortuné est allé encore plus loin la dernière offre. La dernière offre connue promet un chèque de 500 000 dollars pour les trois modèles. Sachant qu'ils ne doivent plus marcher vu que les batteries sont cuites. Contacté par Electric, Rubber Motors a indiqué que les offres pourraient atteindre le million de dollars. Une grosse dépense pour des roadsters qui, selon les premières estimations, ne seraient plus fonctionnels. Enfermés depuis 13 ans, les batteries ne pourraient plus être mises sous tension. Voyons, franchement, ils sont motivés, hein, ces gens. Après, s'ils ont les moyens de les réparer et de mettre d'autres batteries, pourquoi pas, mais bon. Ça fait un peu cher pour des voitures en panne, je trouve, moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse commenter. Pensez à vous abonner si ce n'est pas fait aussi. Allez, ciao!